Hey, salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Zach Build. Aujourd'hui, nous allons réaliser un petit tutoriel sur comment fabriquer une baliste. Voilà. Donc, je vais pas partir plus longtemps dans de plus longs discours. On va directement se rendre sur place et c'est parti pour le tutoriel. À tout de suite. Ok, donc nous allons construire notre baliste ici, sur ce petit poste à avancer avant le château. Alors, pour commencer, nous allons tout simplement mettre des roues qui seront les supports de la machine. Donc pour ça, placer un bloc. Moi j'utilise des chiseled stone brick pour représenter des roues. Donc vous sautez un bloc, vous en placez un, vous sautez un bloc, vous en placez un. Et donc là vous avez votre rangée de roues de gauche. Nous allons maintenant faire la rangée de roues droite. Hop, donc c'est le même principe, vous sautez un bloc et voilà. Un petit bouton au milieu pour faire un petit peu de relief et représenter l'axe de rotation des roues. Ensuite une barrière pour faire l'autre côté, enfin l'autre côté de l'axe de rotation des roues, elles vont tourner autour de cette barrière. Une fois que vous avez cette jolie base, nous allons faire le châssis. Voilà, le châssis principal. Alors pour ça, on va se servir de deux blocs ici qui seront provisoires. Donc on va les retirer juste après. Vous placez vos bûches comme ceci. Donc les blocs provisoires sont placés à un bloc en avance. Hop, vous partez. Et quand vous arrivez au bout, comme ça, vous allez faire des passés de deux blocs. Un et deux, comme ceci. Vous pouvez maintenant retirer vos blocs provisoires. Nous allons placer un petit bouton à l'avant, histoire de faire un petit peu de déco sur cette face avant. Un escalier également à l'envers, que je vais aller chercher tout de suite. Voilà. Comme ceci. Une bûche et deux slabs sur le dessus. Voilà, nous avons la forme de base de notre baliste. Pourquoi cette forme? On croit un peu une queue de scorpion. C'est pas artistique, mais c'est volontaire, dans le sens où l'idée est de faire rappel au scorpion, qui est une arme de siège, qui est comme une petite baliste, si vous préférez. Donc maintenant, nous allons faire les jantes des roues. Enfin, pas les jantes, mais les garde-boue, pardon. Donc, en mettant un escalier retourné sur le dessus. On va compléter la structure en mettant des demi-dalles entre deux, hop, de chaque côté, comme ceci. Et, petite feinte ici, nous n'allons pas mettre un escalier vu qu'il n'y a pas de roue au-dessous, mais une demi-dalle à cet endroit. Voilà, nous avons la structure de base. À partir de ce moment-là, deux options peuvent s'offrir à nous. La première est de représenter la balise en mouvement. Dans ce cas-là, rien à faire. Moi, je vais représenter la baliste immobile, là, tout de suite, dans cette partie de tuto. Donc, je vais mettre des fences, des barrières, entre chaque roue pour représenter les cales qui vont venir empêcher la baliste de bouger. Vous voyez, donc on a déjà une forme de véhicule. On ne devine pas encore la baliste, mais vous allez voir, la prochaine étape va nous éclairer à ce sujet. Donc, on va placer un autre bloc provisoire juste ici. Et ensuite, on va venir y accoler deux bûches, comme ça. On va garder le bloc provisoire pour l'instant. On va en mettre un deuxième ici. On va recommencer l'opération. Deux bûches. Et nouveau bloc provisoire. Et cette fois, on ne met qu'une bûche. On peut supprimer ces deux blocs provisoires ici. Le but ici, c'est de faire le grand arc qui va servir à donc à tendre la baliste. Alors ce que je vais faire, c'est que pendant que je vais faire l'autre côté qui va être exactement le symétrique de cette partie-là, je vais vous raconter deux petites anecdotes historiques. Donc il faut savoir que les balistes sont des armes qui ont été inventées par les Grecs, donc en 400 avant Jésus-Christ, et qu'elles ont été inventées et utilisées pour la première fois lors du siège de... Enfin, qui ont été inventées à Syracuse, le nom du siège je ne sais pas. Donc Syracuse qui est une colonie grecque qui est en Italie, pour vous dire à quel point les Grecs étaient influents à cette époque. Les balistes sont issues à l'origine de deux armes de siège différentes, les gas trafettes et les oxybelles, qui sont des armes qui s'apparentent fortement à des balistes, qui ressemblent aussi un peu à des arbalètes.
Ces armes étaient donc une arme à main et une arme lourde. Donc maintenant, nous allons poursuivre l'avancement de notre petite baliste en faisant le système, le mécanisme de lancer. Il faut savoir que la différence entre les premières armes que je vous ai citées juste avant et les balistes, c'est le système de remontée qui est beaucoup plus efficace sur les balistes. Pour cela, je vais utiliser un dispenser tourné vers ici et un autre que je vais tourner par là. Nous allons aller chercher un petit levier qui se trouve juste ici, voilà. Et nous allons le placer sur le dessus de ce dispenser et le rabattre vers ici. Cette partie-ci sera la partie immobile qui sera fixée à l'arrière de la baliste. Celle-ci sera la partie mobile qui viendra coulisser ici sur cet axe pour envoyer le projectile par là-bas. Donc pour cela, on va placer, pour remonter cette partie-ci, on va placer des petits leviers de chaque côté. Voilà. On va en baisser un, comme ça, vous voyez, c'est de chaque côté, un peu comme si c'était une manivelle qu'on pouvait tourner comme cela. Ce levier-là servant, lui, à venir amarrer cette partie-ci au bois. Si vous vouliez représenter, par exemple, la baliste en train d'être rechargée, vous pourriez, par exemple, mettre ce bloc-là ici, aller attraper une barrière. La barrière représenterait la corde, et vous voyez, ce bloc serait ramené vers ici. Donc nous allons représenter la baliste chargée. Je vous donne des alternatives, hein, comme ça, vous pourriez, si vous faites plusieurs balistes, par exemple, en représenter une qui a tiré, une qui est en train de tirer, ce genre de choses, ça donne beaucoup de vie à vos constructions. Maintenant que nous avons fait le système de remontée, il est temps de rajouter donc la corde qui servira à, enfin la corde, entre guillemets, élastique, qui servira à envoyer le projectile, à accumuler la force, puis envoyer le projectile. Alors pour ça, on va s'amarrer sur ce bloc de bois. Et on va le placer donc un bout ici et un bout ici. Donc ça, c'est notre point de départ et ça, c'est notre arrivée. On va représenter une corde tendue entre ces deux-là. Je vais la faire en iron barrière. Je vais placer donc une ici, une vers l'intérieur, vers la baliste, deux. Ah, raté. Deux vers la baliste. Ce bloc-là était en trop. Une par là-bas. Une par ici. Une par là-bas. Et voilà. Donc on a relié. Pendant que je vais faire symétrique, je vais vous refaire encore une petite annotation historique. Il faut savoir donc que les balistes étaient utilisées par les Romains, puis par les Grecs, puis par les Romains. Et elles ont été abandonnées au Moyen-Âge, remplacées par des machines à balancer ou contrepoids, comme les trébuchets. Les balistes ont été abandonnées à cette époque, notamment parce qu'elles étaient assez dures à entretenir pour l'époque, et que du coup, eh ben, ça posait quelques soucis. Il faut savoir que malgré le fait qu'elles étaient remplacées, les balistes avaient quand même pas mal d'avantages, puisqu'elles sont d'une grande adaptabilité. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il faut savoir que les balistes peuvent accueillir deux types de projectiles. Des carreaux, donc qui sont comme des grandes flèches, ou bah, des projectiles sphériques, type cailloux, ce genre de choses. Si on met une flèche, on va l'aligner ici, elle va être tirée tout simplement comme si c'était une arbalète géante ou un arc. Si c'est un projectile, on peut le mettre là. Ça nécessite un tout petit peu d'adaptation, comme par exemple mettre une rampe sur les côtés pour pas que le projectile parte dans tous les sens. Mais le projectile sera tiré de la même façon et pourra bah, décimer les rangs ennemis. Maintenant que nous avons fait donc cette partie-là, nous allons rajouter quelques petits détails à notre balise. Parce que comme vous pouvez le voir, on a la forme principale, on reconnaît, mais pour l'instant, c'est pas folichon en termes de déco. Pour ça, je vais aller chercher quelques accessoires comme des barrières qui vont nous être plutôt utiles pour décorer. Donc, tout d'abord, par souci de réalisme, on va rajouter des petits escaliers ici qui permettront de remonter sur cette plateforme pour remonter le chariot de tir de la baliste. Voilà, donc un de chaque côté, comme ça, un garde de chaque côté pour remonter le treuil de la baliste. Ensuite, on va rajouter des petites barrières sur les côtés, voilà, comme ça, pour peaufiner un peu l'effet scorpion dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais également avoir besoin d'une torche, voilà, que je vais mettre sur le dessus pour ajouter un peu d'éclairage. Ça, c'est plus si vous prenez des screens de votre baliste après, vous serez content d'avoir un peu d'éclairage si vous faites des photos de nuit. Ensuite, donc nous allons rajouter, pour arrondir un peu la forme de l'arc, des barrières dans les angles, comme ceci.
Voilà. Une boue aussi pour le prolonger un petit peu. Et pour ajouter un peu de... Pour que la balise soit plus imposante, nous allons la grossir, enfin la grandir verticalement en plaçant sur les deux pointes, sur les deux barrières de devant, des pointes qui montent en haut et en bas. Voilà, notre balise commence à avoir de la tête. Je vais donc maintenant ajouter encore des torches sur toutes ces petites barrières. Ce n'est pas obligatoire, mais comme je vous l'ai dit, si on prend des screens ou qu'on fait une photo de la balise de nuit, ce sera quand même plus sympa. Pour consolider le dessus de notre arc, je vais placer donc et rajouter un peu de détail toujours des demi-dalles qui vont permettre de changer un petit peu la couleur du dessus, ainsi que quelques boutons sur les surfaces qui sont restés disponibles afin de rajouter plus de relief, de représenter les nœuds qui seraient éventuellement dans le bois ou ce genre de choses. On va pouvoir également rajouter une petite cale à l'arrière, parce que comme vous voyez les roues donc, ne bougent plus, mais la baliste est assez massive à l'arrière, donc on peut s'imaginer que lorsqu'elle tire, elle a cette petite cale qui va lui permettre de soutenir le poids arrière et qui est donc retiré lorsque la baliste va rouler. Donc là nous avons bien avancé sur la baliste, on va maintenant représenter le projectile. Donc vous pourriez mettre, comme je vous ai dit, un bloc ou n'importe quoi. Moi je vais opter pour un carreau. Question de préférence, hein, tout simplement. Mais vous pourriez très bien prendre autre chose, hein. Il n'y a pas de souci. Un projectile type caillou, ça marche. Pour représenter l'empennage de notre carreau, on va mettre deux escaliers comme ça. Vous voyez, ça fait un peu comme les dessus des flèches. J'utilise du bois plus sombre pour la flèche pour qu'on la distingue bien du reste de la baliste et qu'on puisse voir quelle est la partie carreau, quelle est la partie baliste. Je vais donc, une fois que j'ai placé mes deux escaliers, tirer un trait de slab et le faire sortir de 1. Une fois ceci fait, mettez 3 dalles comme ça de stone brick. On va placer hop, une dalle au-dessus, une dalle en dessous sur la partie du milieu. Un bloc support en bas qu'on va retirer une slab, voilà. Un bloc support ici, une slab, et ce bloc support on peut le retirer, voilà, sans casser cette partie-là. Vous avez donc maintenant une grosse flèche, alors c'est un petit peu disproportionné, mais on est dans Minecraft, donc forcément il faut que ce soit plus grand pour que ce soit représentatif. Et donc là maintenant, nous avons terminé notre baliste. On pourrait éventuellement ajouter quelques petits détails, comme par exemple ici. Dans ce cas-là, on peut virer les boutons ou ce genre de choses. Et voilà. Donc là, notre baliste est terminée. Donc on reconnaît bien la forme. Il y a pas mal de petits détails. C'est une construction qui reste néanmoins assez simple. N'hésitez pas à la reproduire chez vous. J'ai fait exprès de faire un build qui n'est pas trop grand et qui utilise très peu de ressources. Hein. Le plus compliqué à voir, ce serait le faire pour... les iron bars ici, mais sinon globalement c'est rapidement faisable dans votre monde survie pour faire de la décoration si vous avez un château ou ce genre de choses. Du coup vous avez le droit de la reproduire en l'état, moi ça me dérange pas, hein, c'est pour ça que je fais aussi ce tutoriel. Vous pouvez également la modifier, c'est comme ça qu'on apprend justement. Vous voyez par exemple là je peux rajouter un petit bouton, ce genre de choses, ça rajoute un peu de détails. Si vous voulez modifier, je sais pas moi, la flèche parce qu'elle ne vous convient pas, ou que vous voulez modifier le système de lancer, ou vous voulez seulement par exemple garder l'arc, n'hésitez pas, hein, c'est comme ça qu'on apprend à construire dans Minecraft. Dans les deux cas, que vous la reproduisiez en telle qu'elle ou que vous la changez un petit peu, citez l'endroit où vous l'avez vu, c'est-à-dire mettez un lien par exemple vers cette vidéo si vous avez une chaîne YouTube ou ce genre de choses, voilà, pour aussi par respect pour le travail que j'ai fait. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Avant de se quitter, je vais vous laisser sur une petite vue sympa avec des shaders et un petit plan aérien. Voilà. Donc, petit ending rapide pendant qu'on refait un petit timelapse de ce que nous a construit ensemble. J'espère que l'épisode vous a plu. Moi, je vous souhaite bonne continuation et bonne construction dans Minecraft. C'était Zanzag. Allez, salut, tchou!